bam 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 bam. Salut à tous. Donc petite vidéo aujourd'hui sur ma petite imprimante 3D Under 3 V2. J'avais des petits soucis avec, j'arrivais pas à imprimer correctement. Le PLA s'est mélangé à la tête, enfin un gros bordel. J'ai arraché la sonde de température, enfin il a fait que je recommande. Donc là j'ai remis en route. Et en essai, je fais un petit bouchon de réservoir pour le 103. Donc on va voir un peu ce que ça donne. En attendant, moi je vais aller bosser sur ma Kenkenaki, des petits réglages, un petit démarrage pour voir un peu comment ça réagit. Donc voilà, allez, let's go. Ben voilà, qui retourne à l'atelier. Donc voilà le bouchon. Alors ça va être du direct live. C'est d'enlever celui-là. Celui-là il a commencé à gonfler, nickel. Et bon, un peu raide. Ça rentre pas dedans. Après, oh la vache, ça tient bien. Après, il faudrait voir. Parce qu'en fait, il existe du fil souple. Donc, un petit clin d'œil à mon collègue de boulot.
qui a des imprimantes 3D. Donc aussi, c'est pareil, il est sur TikTok. Ouais, j'arrive à vous partager le lien un jour, parce qu'il fait des trucs sympas. Il a fait de l'impression en souple, et c'était pas mal son truc. Donc ça se trouve, en fait, on pourrait produire le bouchon du 103, mais en souple. Et puis blanc, ça aurait été marrant aussi, quoi. Ouais, je restais dans l'esprit. Donc voilà, quoi. Bon, en fait, l'imprimante, elle fonctionne déjà, c'est déjà pas mal. Après, j'avais le dessous, ici. Donc ça, c'est le petit, mais ça rentre pas dedans. Je pense vraiment qu'il faut l'imprimer en souple. C'est impossible de rentrer dedans. Donc voilà, quoi. Mais bon. Et puis aussi le sens aussi. Je pense qu'il faut faire des supports parce qu'on voit qu'il y a le Peugeot qui est inscrit. Mais vu que je l'ai imprimé à plat comme ça, il aurait fallu que je l'imprime comme ça, je pense. Avec des petits supports. Ah ouais, ça a réfléchi. Mon Roro, champion. Tu vas me faire ça, toi? Après ici, mon cache. Donc je suis passé sur donc le moteur est monté sur la Kenkenaki. Bon, j'ai dû rallonger un peu. Je suis passé justement avec le carbu de chez Ali. J'ai fait un essai là. Elle tient pas le ralenti. Et mon truc est serré à fond. Donc je sais pas si j'ai une prise d'air quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de carbu. Je vais changer la pipe. Parce que c'est facile sur les bas moteurs mal aussi. Et comme je dis, hein, c'est la mop d'essai, hein, donc j'ai le temps de bricoler dessus. Ah bah tiens, petit bouchon. Ah, le beau bouchon. Et puis repasser sur un autre carburateur, voir si elle tient le ralenti. Je vais pas faire de test d'étanchéité. Il faudrait que je crée un truc justement quand je vois des gars, des fois, ils mettent le compresseur dessus, ils montent à un bar, je crois, faut pas dépasser. Vraiment les joints speed taille. Et puis faire un test d'étanchéité, quoi. Mais comme c'est un cylindre, en fait, c'est les fameux kits Airsal 70 qui avaient serré, quoi. Que j'ai repris tout au piston et tout. Bon, je tente, hein, si ça fonctionne, si ça roule. Refaire un petit rodage dessus, quoi. Et puis voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est lui qui coince? Je sais pas. Après, dessus, on va passer le côté. Donc, allumage Moriyama. Ah, c'est celui que j'avais sur ma Mini. Pareil, là je l'ai recalé pour faire le test, hein, parce que j'ai pas envie de flinguer un piston mal aussi encore. Donc là je remets cet allumage là sur celle-ci, refais mon calage, hein, donc normalement ça devrait le faire. Donc calage à 1,5, hein, sur le 103. Ça démarre bien, donc après ici bah, c'est un peu la centrale nucléaire, quoi. Là je suis en train d'essayer de caler les fils, faire des pattes, enfin voilà, bricoler un peu, voir un peu comment je vais bidouiller tout ça. La lumière fonctionne avant arrière. Voilà quoi. Hein. Puis bah justement le black gun là. Hein, qui a un petit son sympa qui est assez discret, quoi. Donc c'est vrai que des fois pour les balades, ça fait moins de bruit, quoi, c'est plus cool. Donc voilà, donc moi je vais me mettre là-dessus. Hein, c'était une vidéo un petit peu rappel de ce que je fais. Bah, bonne soirée ou bonne journée, suivant l'heure que vous regardez la vidéo. Et puis, bah, à plus. Allez, Kenavo.